Yo les gars, c'est Nsunstrou pour une nouvelle petite vidéo sur Pokémon Showdown. Alors, je kiffe trop regarder des vidéos de rédemption, des lives de lui. Je pense que vous le connaissez, il fait du Pokémon Showdown, il fait aussi du Pokémon sur Switch, enfin, c'est incroyable. Et il est grave chaud au jeu. Et donc, j'avais envie de faire aussi moi une petite vidéo. Alors, j'ai fait un petit concept assez rigolo, c'est que j'ai mis que les Pokémon, enfin, mes 6 Pokémon préférés. Donc, dans la team, c'est mes 6 Pokémon préférés, ça n'a rien à voir, les Pokémon ne vont pas ensemble dans la team, c'est n'importe quoi, mais j'avais envie de tester. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitter, les gars. Je poste un peu tout et n'importe quoi, c'est très rigolo. Et je poste de temps en temps plein de replays. Donc regardez, je ne sais pas quand il date le premier, mais il y a énormément de replays que je poste où je marque des trucs, genre le pire fight de tous les temps, 6-0 de Malvalam, c'était chaud, Charizard est trop fort. Enfin, tu vois, hahaha, le pire move et il est FF. Enfin, c'est trop drôle. Ça fait une vingtaine de vues, mes tweets, c'est rigolo. Et donc voilà, si jamais ça vous plaît cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir avec la team que j'ai. J'arrive à laver des gens, c'est trop drôle. D'ailleurs, j'ai pas besoin d'en parler, mais j'ai pris tous mes sets sur Coup Critique, donc c'est le site de rédemption. Vous marquez, hop, le Pokémon que vous voulez, par exemple le meilleur Pokémon du jeu, Lucario. Et vous avez quelques sets dans des tiers. Il n'y en a pas beaucoup pour tous les Pokémon, ça dépend des fois. Mais en tout cas, les Pokémon les plus utilisés, par exemple, si je te prends du Dracolos, si je te prends du Dracolos, regarde, il y a 1 milliard de sets pour Dracolos dans tous les sets. Donc voilà, c'est juste qu'il y a certains Pokémon, c'est un peu la hesse. Donc dans cette vidéo, on va faire peut-être 3 combats, je vais voir, ça dépend combien de temps ça dure. En attendant, je vais vite fait vous présenter les trucs. Alors ça, c'était la première équipe que j'avais, je ne l'ai pas créée moi-même, je crois que je l'ai volée quelque part. Même pas sur coup critique en plus, je sais pas où est-ce que je l'ai volé, mais bref, j'ai pris cette team, mais j'ai pas beaucoup joué avec, c'était juste pour tester le site à l'époque. Ça, c'était la première team, je crois pas que je l'ai fait moi-même celle-là, j'ai dû prendre juste des sets pour chaque Pokémon. Après, je sais pas pourquoi il y a une copie de cette team, et celle-là, c'est la team de tous mes replays. Quand vous allez aller sur mon Twitter, tous mes replays sont faits avec cette team, c'était ma team finale. Sauf que, il y a pas longtemps, ils ont sorti The Roar Gisui. Donc les deux dernières teams qui sont là, bah, j'ai changé Karmadura, mon Pokémon que j'aimais le moins dans les 6, et j'ai remplacé avec The Roar Gisui parce que je l'aime beaucoup plus. Bon, par contre mes Pokémon préférés c'est que des Goats. Et donc voilà la team avec... enfin c'est une team normale tu vois avec des vrais sets. Et j'en ai aussi créé une par moi-même, donc c'est la même team, sauf que j'ai tout créé moi-même en faisant un peu n'importe quoi, je suis pas un pro. Donc j'ai essayé de la créer moi-même en faisant de la merde. Donc c'est parti les gars, on va lancer une première game. Avec la team classique Bataillon d'exploration. Ok les gars, c'est parti pour la game. Je vais essayer que ça dure pas trop longtemps. Je suis un peu un, je suis un peu un noob. Et on va faire cette vidéo sans. Sans. Comment j'appelle ça? Sans tableau de type, sans tout ça. Je vais faire à l'aveugle, à la one again. Je vais jouer un peu n'importe comment. Parce que je suis pas un pro et je galère. D'habitude, j'ai toujours un petit tableau de type. Mais là, on va essayer de faire 100. Donc, voilà. Hop. Choc psy, super efficace. Ok, j'ai eu chaud. Hop, on va refaire. Du coup, vraiment, les gars, si vous avez mal aux yeux, il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça rigolo. Hop. Choc psy. Il avait pas les pics toxiques, je crois. Non. Putain, les gars, je suis vraiment nul au jeu. Je suis désolé. Quand j'ai mon tableau de type, à la limite, ça passe. Mais là, vraiment, je suis catastrophique. Coup critique. Oh, let's go. Ça, c'est de la chance. Ok, il m'a one shot, mais j'ai pu faire un coup critique. Ça fait plaisir. Là, je sais que j'aurais pu switch, mais on va. J'ai pas voulu. Je sais pas ce qui est fort contre Psy. On va mettre Galam. Puis on va tester une lame sainte. Putain, je sais vraiment pas jouer au jeu. Mince, résister. Oh merde. Oh merde. Ouais, mais il va mourir si je reviens sur les pics. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ça commence bien. Ok, c'est pas grave. On l'a bien amoché. Il nous en a tué deux. On va revenge avec toi. Mais psy effet, je sais pas du tout c'est quoi les trucs. Je sais pas du tout c'est quoi les faiblesses. Il y a des faiblesses, c'est assez simple. Mais là, je galère. Hop. Karchak Rock. Il envoie son petit Karchak Rock. Dragon Sol. Qu'est-ce qui est fort contre Dragon Sol? Aucune idée, donc hop. Ah, je suis mort. Je suis trop nul.
Dragon Sol, on va mettre, je sais pas, frère. Allez, toi. Est-ce qu'un petit tranche nuit c'est fort? Ok, c'est de la merde. Je suis trop nul. On va tester une petite vitesse extrême. Ok, pas ouf. Oh les gars, je suis trop une grosse merguez. Oh, je suis trop nul. Ok, bah il m'a bien défoncé. Mais avec un tableau de type, je m'en serais mieux sorti. On se retrouve tout de suite pour la deuxième game. Ok les gars, on se retrouve pour la deuxième game avec le petit Zoroark. Du coup, ça c'est la game, enfin c'est la team, c'est la team de la Vidaloka. Je sais pas qui je vais mettre. Pourquoi je choisir des trucs? Donc là c'est qui? C'est Zoroark? Ouais c'est Zoroark. Frère je sais pas, je galère. Donc ça c'est des vrais sets. Alors que la team d'après qu'on va tester, ce sera ma team que j'ai créée moi-même. Je lui ai volé quoi comme objet, attends? Je sais plus. Aucun objet. Elle n'avait pas d'objet? Oh frère, je sais pas jouer. C'est une dinguerie. Oh c'est une dinguerie. Je sais pas jouer. Non, je vous jure que je sais jouer. Allez regarder mes games sur Twitter, les gars, s'il vous plaît. Tous les replays, allez regarder. Je vous jure, je gère. C'est juste que là, j'ai pas mon tableau de type. Donc je sais pas quel truc est fort. Et puis je suis en vidéo et tout, donc je joue n'importe comment. Ok, type feu. Qu'est-ce qui peut être fort contre le feu? Le feu. Feu contre feu, c'est fort. En plus, j'ai le talent torche. Ouais, mais elle a pas d'attaque feu, elle. Ok, éclair magique. On va faire une petite danse lame. Je vais refaire une petite danse lame. Tu vois, là ça commence bien déjà. La stratégie est en marche. Je suis Terra Crystal Combat, je peux faire des big close combats sur un type normal. Allez, ça part. Bang! Oh là là, les gars, je suis trop chaud. Ok, on a géré. Lui, il est Ténébracier, je vais refaire un gros close combat de mort. Il a plus de Terra Crystal en plus. Ok, nice. Là, on n'est pas trop mal en vrai. On n'est pas trop trop mal. Faut juste pas qu'il mette un mec qui m'attaque en premier ou un ceinture force. Putain, je suis le plus gros noobs de la stratégie Pokémon. Sauf mes replays Twitter. Mes replays Twitter, c'était il y a 3 mois. Non, 2 mois. C'était il y a 2 mois quand j'étais encore chaud au jeu. Là, je relance le jeu après 2 mois, les gars. Je suis perdu. Mais il y a 2 mois, je vous promets, je faisais des matchs de fou. Je faisais de la stratégie. J'avais mon tableau de type et tout. Pente le mec, il choisit ou. J'avais pas vu, les gars. J'avais pas vu. Peut-être que vous l'avez vu avant moi. Mais il s'est déco. Enfin, il est parti. Il s'est pris deux gros one shot de Malvalam avec une attaque de 1100. Il s'est fait double one shot et il a rage quit. Bon bah on se retrouve directement pour la troisième game et ça fait une game de gagner. Ok les gars c'est parti pour la troisième game et donc ça c'est la team comme avant sauf que c'est moi qui ai fait tous les sets moi-même. Donc c'est un peu n'importe quoi, vous allez voir, c'est rigolo. Et on va lead directement sur Malvalam. Et puis on s'en fiche du reste parce que j'ai rien compris, c'est pour Zoroark. Putain le mec il a rage quit, il s'est pris deux one shot, il a rage quit. Mais j'aurais compris à sa place en même temps. C'est pour ça que je kiffe ma team. C'est que quand je la joue bien, elle peut être pas mal. On a du coup Plante Ténèbres. Bon, je vais lui faire un gros bout de feu. Je suis mort. Bon, il a la ceinture force, le petit coquin. J'ai disparu. Je sais pas jouer. Bra. Je suis mort de rire.
Oui, je suis bâtard. Ok, seul combat. Qu'est-ce que je peux faire contre seul combat? Pourquoi j'attends l'adversaire là? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, il doit faire quelque chose? Assaut frontal, ça sert à quoi? Ah, sac fuite! Ok, il choisit un Pokémon à envoyer. Putain, c'était rigolo, c'était rigolo. Ok, en attendant, bon là c'est le set avec n'importe quoi les gars, je vous rappelle. Donc il est un peu catastrophique. Feu poison, je sais toujours pas qu'est-ce qui est fort contre le poison. On va dire le fait c'est fort. Normalement j'ai plus de vitesse que lui. Ah pas forcément. On est combat fait, mais j'ai pas d'attaque fait. Je pense qu'on va lui faire ça. Hein. Ah! Wesh, il m'a one shot le poteau. Ok, faut que je prenne un mec rapide. Feu poison, mais je sais pas moi. On va prendre ça. Hop. Frère, je sais pas trop jouer. Oh, j'ai pré-shot. Non, je rigole, j'ai pas du tout pré-shot, je fais n'importe quoi. Merde! Oh, je fais de la merde. Il veut pas switch le mec? Bah il veut pas switch. Oh, il m'a enlevé mon truc. C'est un génie. What? Oh le bâtard. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Pas mal, pas mal. Il m'a enlevé le truc, du coup j'étais moins rapide que lui. Merde! J'ai oublié qu'il était immunisé. Oh là là, la pire vidéo de tous les temps. Et là, regarde-moi ce pré-shot. Bam! Oh, je suis la plus grosse merguez de la merguez. Attends, Dragon Glace, qu'est-ce qui est fort contre Dragon Glace? Je sais pas. On va faire balle ombre. Non, vent glace. Oh, ça c'est incroyable. Bon, la deuxième game était plus intéressante. Je vais pas vous mytho. Ok, nice. Et là, regardez bien. Tête de fer. Et là, c'est terminé. C'est terminé pour lui. Bam! Voilà! Voilà mon grand scalper. Palmaval. Tu veux quoi toi mon ref? Qu'est-ce que je peux faire comme attaque? Attends, j'ai pas une attaque de fou. Au combat, je sais pas. Allez. Non! Bon bah les gars, c'est fini pour cette vidéo. C'était un peu n'importe quoi, je vous l'avoue. Mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, pensez au code créateur. Non, pas en fait non. Allez, ciao!